Bonjour à tous. Bonjour. Peut-être avant que le culte commence, si on peut prendre quelques minutes pour se saluer et peut-être se dire comment s'est passée votre semaine. On fait ça quelques minutes avant que le culte commence ? Allez-y. De suite, venez direct, ouais, comme ça, moi. Bonjour. Ce matin, on est encore dans la joie de se retrouver en famille, tous ensemble, pour célébrer ce culte. Pour apporter notre louange, notre reconnaissance à notre Dieu et être à l'écoute aussi de ce qu'il veut nous dire. Et chaque dimanche, on a pris l'habitude de mettre en avant un ou plusieurs attributs de Dieu pour vraiment préparer notre cœur à cette rencontre avec notre Dieu et reconnaître qui il est, ce qu'il fait dans notre vie. Et à plusieurs reprises dans la Bible, il est question de la royauté de notre Dieu. Il est souvent écrit, il est le roi des rois, d'ailleurs on le chante aussi, il règne éternellement, il a établi son trône dans les cieux, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et je vous ai sélectionné quelques versets qui reprennent justement cette notion de royauté. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi glorieux, dans Psaume 24. Amen. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône subsiste à travers les âges. Amen. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Ça nous rappelle cette série qu'on étudie dans nos groupes de maison, Vivre le royaume. Amen. Dieu est le roi de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers. Il a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Il nous a créé nous aussi. Et quelque part, reconnaître que Dieu est notre roi, c'est aussi reconnaître qu'il règne en moi, qu'il règne dans mon cœur, qu'il gouverne mes pensées, mes actions, mes décisions. C'est aussi lui donner cette place de roi dans notre vie, chaque jour. Et la Bible nous dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. N'est-ce pas merveilleux de se dire que Dieu est là, il est sur son trône, il est au milieu de nous. Il prend plaisir à nos chants, à nos prières, à ce qu'on lui dit. Quel honneur de savoir que notre grand roi est avec nous ce matin, n'est-ce pas? Et ce que j'aimerais vous proposer avant d'avoir ce temps de louange, c'est de lire ensemble ce chant de louange qu'a écrit le roi David dans les psaumes. Il nous dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. » Ce matin, que nous puissions vraiment prendre conscience que notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est avec nous ce matin et que nous puissions l'accueillir comme il se doit, que nous puissions l'honorer par nos chants, par nos prières, par nos pensées ce matin. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous ce chant.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, je veux le louer. Il est là ce matin parmi nous, est-ce qu'on le croit? Il est élevé, tu es là, à jamais nous voulons exalté, t'adorer, nous voulons t'honorer par nos chants. À Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors, les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël. » Amen. On veut ouvrir les portes à notre roi ce matin, l'accueillir parmi nous. Amen. Chantons Hosanna tous ensemble. Laissons jaillir un chant de victoire.
terre. Notre prière. Laissons jaillir un chant. Le roi de gloire. Amen.
aller dans leur classe. Je vais prier pour eux. Seigneur, je te remercie pour nos enfants, Seigneur. Sois le roi dans leur vie, Seigneur. Règne en eux, règne dans leur cœur, Seigneur. Prends la place dans leur vie, Seigneur. Merci pour toutes nos équipes enfance qui prennent soin de nos enfants, qui prennent le temps pour leur enseigner qui tu es, Seigneur. Leur parler de toi au travers de ta parole, Seigneur. On te les remet ce matin. Tous nos enfants, on te les remet, Seigneur. Merci, Seigneur, de cette œuvre que tu fais en nous, Seigneur. À notre Dieu, que ce soit dans notre cœur, que ce soit à voix haute, que ce soit par un verset, par un chant, mais que ce matin, on puisse avoir tous la liberté de nous adresser à notre roi des rois. Peut-être que vous avez l'habitude de prier, qu'on puisse laisser la place peut-être à ceux qui aimeraient avoir ce temps aussi pour prier, qu'on puisse faire des prières courtes, mais que ce matin, personne ne se prive de s'adresser au grand roi des rois. Thank you.
Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ta grandeur, ta bonté, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. S'adorer, Seigneur. Alléluia. Qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, quelle grâce est la nôtre de pouvoir être dans ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, nous n'avons besoin de rien d'autre. Seigneur, lorsque nous sommes en face de toi, nous sommes révélés à ce que nous sommes nous-mêmes, mais tu ne nous laisses pas dans cet état. En te regardant, ta parole le proclame, nous sommes transformés en la même image par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est vrai, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions que ce matin, nul ne reste dans des combats inutiles. Amen. Perdus d'avance parce qu'ils sont vécus sans toi. Mais nous voulons lever les regards vers toi, Seigneur. Amen. Et savoir qu'il y a là la source de la vie. Qu'il y a là la puissance de transformation dont nous avons besoin. Seigneur, je te prie que ton Esprit vienne convaincre nos cœurs ce matin. Que nous ne restions pas en arrière, Seigneur, dans des combats qui nous desservent, qui nous découragent. Mais Seigneur, de savoir que dans ta présence, tout le trésor de transformation s'y trouve. Alléluia. Seigneur, je loue ton nom, parce que tu ne nous as pas laissés sans moyens. Tu es un bon berger, tu marches devant nous, tu es notre arrière-garde, tu es celui qui change nos cœurs. Alléluia. Mon âme exalte ton nom ce matin. Parce que c'est toi qui fais cette œuvre. Et je veux que tu la fasses dans ma vie. Te laisser faire, Seigneur. Abattre mes résistances. Parce que tu es Dieu. Et que tu mérites l'adoration. Parce que tu as la gloire et la puissance d'accomplir ce que tu dis. À ton nom la gloire ce matin dans ton Église. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. Mon âme exalte ton Saint-Nom. Amen. Toi, Seigneur. Jésus. Ton nom est grand, Seigneur. Toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Ô éternel. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Ton nom est tellement puissant. Merci Seigneur. Ton nom est puissant, éternel. À toi, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Parce que tu es présent au milieu de nous. Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est de réaliser que notre roi, il n'est pas comme les rois de ce monde. On n'a pas besoin de chercher à l'impressionner. On n'a pas besoin de faire partie d'un groupe privé pour le rencontrer. On n'a pas besoin de faire tout un protocole pour venir à lui. Notre grand roi, il est accessible. Amen. Il est près de nous. Et il veut vivre cette relation avec vous, avec nous. Peut-être que ce matin, il veut la construire avec quelqu'un, cette relation. Et peut-être aussi qu'il veut l'approfondir. Ce matin, peut-être que Dieu veut te dire qu'il veut que tu le connaisses plus, que tu rentres plus dans l'intimité avec lui. C'est merveilleux de réaliser que ce grand roi qui a créé le ciel, la terre, l'univers, tout autour de nous, est là avec nous et nous propose ce cœur à cœur avec lui. Il nous propose de venir dans le secret de notre chambre, de nous agenouiller devant lui et de lui parler, de lui dire ce qui nous pèse et de lui demander qu'il prenne toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Alléluia. Cette semaine, j'ai l'occasion de relire ce passage dans Jacques 4, 18. Si tu t'approches de lui, amen, il s'approchera, amen, de toi. Amen. Peut-être que ce matin, Dieu veut te dire, approche-toi de moi, je suis là. Alléluia. Prenons ce fait, faisons ce choix ce matin. Je viens vers toi dans le secret. Peut-être dans ce lieu que personne ne voit au fond de mon cœur, mais là, Dieu peut te rencontrer. Amen. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras. Toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, c'est là sa promesse, tu seras toujours là. Contemplons notre Dieu, ébloui, ébloui. Tu seras toujours là.
Alléluia. Merci pour ta présence. D'être ce Dieu, mais aussi ce Père, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, qui ne faillit pas, Seigneur. Merci parce que tu vois pas, Seigneur, nos arrière-plans, Seigneur, mais tu regardes à nos cœurs. Et vraiment, je te remercie, Seigneur, pour ce culte, Seigneur, qu'on peut te rendre, Seigneur. Et vraiment, je prie afin que peut-être nos semaines, Seigneur, ont été compliquées, mais que vraiment, Seigneur, maintenant, on puisse avoir ce temps, Seigneur, où on puisse avoir ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Que vraiment, on puisse tout te déposer, Seigneur, et plier le genou devant qui tu es. Devant ta grandeur, Seigneur, devant ta souveraineté, Seigneur, et que vraiment on puisse avoir, Seigneur, ce temps, Seigneur, où on se retrouve, Seigneur, et on revient devant toi, Seigneur, tel des enfants, Seigneur, devant leur Père. Amen. C'est ton cœur. Je prie le genou.
Je plie le genou, j'abandonne tout, ce désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Merci mon Dieu pour l'honneur de ta présence. Merci pour ce moment que nous venons de vivre, Seigneur, avec toi. Merci parce que nous sentons que tu es là, Seigneur. Tu prends plaisir à nos louanges, à nos prières. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais Seigneur, tu lis dans les cœurs, Seigneur. Je te prie pour ce message, Seigneur, que tu as inspiré à Manu, que tu puisses vraiment nous parler, Seigneur, au travers de ta parole et au travers de ton serviteur. Prends la place du roi dans nos vies, Seigneur. Bonjour à tous et prions. Jésus, notre roi des rois, merci pour ta grâce immense qui nous a permis ce matin de nous approcher si près de toi. Quel bonheur pour nous de te laisser toute la place. Quel bonheur pour nous de élever nos voix et nos cœurs vers toi. Quel bonheur de t'apporter ces chants, car tu en es tellement digne. Seigneur Jésus, je préférerais tellement que ce soit toi qui vienne enseigner. Je ne serai jamais digne d'enseigner ce texte, Seigneur. Je l'aime, mais toi seul l'as vécu. Je te prie, Seigneur, que je puisse être invisible et que ce soit vraiment ta parole qui nous révèle ce matin. Quel genre de roi tu es. Vraiment que nous puissions, Seigneur, être dans l'émerveillement, Seigneur, et que, en effet, cette révélation de qui tu es nous transforme, Seigneur, nous façonne, Seigneur. Je te prie ce matin pour que ce monde qui nous influence tellement, Seigneur, puisse reculer, Seigneur, de nos vies, parce que ta parole, elle va réellement nous modeler pour être ces hommes et ces femmes que tu veux que nous soyons. Oh, je te prie vraiment, Seigneur, d'accomplir cela pour ta seule gloire, Seigneur. Que nos cœurs soient attentifs, Seigneur. Tu en connais les besoins, Seigneur, mais le plus grand de tous nos besoins, c'est celui de te connaître, Seigneur. C'est d'être en relation avec toi, en communion avec toi. Viens rendre tout cela possible, Seigneur, pour la gloire de ton nom, je te prie. Amen. 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 Rebonjour à tous. Sans tarder, je vous propose de lire ce texte. Nous sommes dans nos priorités du Seigneur et ce matin, nous allons découvrir une nouvelle. Et elle se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et je vous lis le texte en question. Marc 10, les versets 35 à 45. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Leur demanda-t-il. Et ils répondirent : Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Mais Jésus leur dit : Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?»« Oui, lui répondant-il, nous le pouvons !» Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres disciples, apôtres, s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux que l'on considère comme les chefs politiques, ils dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » La priorité que j'aimerais voir avec vous ce matin est celle-ci. Premièrement, en priorité, d'abord, développer, avoir un cœur de serviteur. Dans 2 semaines, nous serons le dimanche de Pâques. Et les priorités de notre Seigneur pour les 2 prochains dimanches vont monter un peu en intensité. Et celle de ce matin, pour être honnête avec vous, c'est l'une des plus difficiles de la vie chrétienne, je trouve. Et pourtant, c'est une priorité omniprésente dans la vie de notre Seigneur Jésus. Ça a été l'une de ses priorités et elle nous concerne nous aussi. Le petit encouragement pour nous, c'est que dans notre histoire, il nous est dit que cette priorité-là, les disciples eux-mêmes, malgré 2 ans et demi passés à côté de leur maître, ont eu eux aussi beaucoup de difficultés à la comprendre, à la saisir et encore plus à la mettre en pratique. Et donc tout commence avec une question des disciples. Enfin, j'ai dit une question, ce n'est pas vraiment une question. 2 disciples, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent et disent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » C'est ce qu'on appelle la méthode directe. Hein. C'est un peu comme ça que nous commençons un peu tous notre vie de prière. « Seigneur, nous désirons que tu fasses ce que nous allons te demander. » Heureusement, on a un maître qui ne se braque pas facilement et qui leur propose d'aller plus loin et d'exprimer vraiment. Et c'est ce que j'aime dans les évangiles, c'est que aucun des auteurs n'a fait un effort pour embellir toutes ces scènes, tous ces dialogues entre Jésus et ses disciples. Franchement, il y a des choses qu'ils auraient pu supprimer. Moi, si j'avais été Pierre, il y a quand même des choses que j'aurais dit à Marc. Écoute, ça, évite d'en parler, ce n'est pas la peine que les gens sachent que j'ai réagi comme ça un jour. Mais non, il n'y a pas eu cet embellissement, il n'y a pas eu cette espèce d'effort de nous cacher qu'ils étaient en fait des hommes comme nous. Et ça, c'est profondément rassurant. Alors Jésus leur propose, « Ok, qu'est-ce que vous voulez en fait que je fasse pour vous ?» Et voici la réponse. « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » Rien que cela. Rien que cela. Je ne sais pas comment étaient leurs chevilles à ce moment-là, mais heureusement, il me semble que d'un point de vue vestimentaire, ils ne portaient pas de pantalon parce qu'ils seraient pétés de tous les sens. Hein. Un ami, dont je ne dirai pas le pays, m'a raconté un jour cette blague parce que c'était dans un pays où les pasteurs aiment plutôt être assis sur les places importantes. Je ne veux pas dire les trônes, mais en tout cas sur les sièges élevés. Et il m'a raconté cette histoire d'un pasteur de ce pays-là qui arrive au ciel. Et lorsqu'il arrive au ciel, il voit que le Seigneur est là à l'accueil et il est en train de saluer les uns et les autres qui arrivent. Et lorsque le Seigneur voit ce pasteur qui arrive, il fonce sur son trône et il s'assoit vite. Et là, le pasteur est choqué, il court après Jésus et il arrive, il lui dit « C'est comme ça que tu m'accueilles ?» Et il dit « Toi, quand je t'ai vu arriver, j'ai eu peur que tu t'assoies à ma place. Hein. » Il y a des pasteurs comme ça. Alors, il y a quand même une petite explication sur pourquoi les disciples ont osé demander une telle chose. Dans l'évangile de Matthieu, le même scénario nous est raconté et peu de temps avant, Jésus a dit la chose suivante.
pour les encourager sur ce qu'il y aura après pour ceux qui ont renoncé et qui ont pris leur croix. Et il leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau, donc cette nouvelle création qui nous est décrite notamment dans le livre de l'Apocalypse, et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, donc ses disciples à l'entour à ce moment-là, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus leur révèle quelque chose, et donc vous imaginez bien qu'après, une fois qu'il leur a dit ça, les 12 sont là, tu seras dans lequel. Parce qu'aucun d'entre eux ne représentait en soi une tribu, on ne sait pas vraiment de quelle tribu les uns les autres, à part certains, on sait qu'ils étaient de la tribu de Judas, mais à part ça, on ne sait pas trop. Sauf que pour eux, être sur les trônes, ce n'était pas suffisant, il fallait être sur celui qui est à droite et celui qui est à gauche. Rien que cela. Ce n'est pas vraiment en fait la première fois qu'on apprend dans les évangiles que les disciples s'affrontent un peu pour ces questions de savoir qui est le plus grand. Au moins à deux reprises, quand on recroise les évangiles, il y a eu ce débat entre eux. En fait, pas vraiment ce débat, il est même dit cette dispute entre eux. Se disputer pour savoir qui est le plus grand. La toute première fois qu'ils ont eu cette dispute-là, Jésus a pris un enfant, l'a placé au milieu d'eux, vous connaissez peut-être cette histoire, et leur a dit, en fait, vous devez apprendre à ressembler à un tel enfant. Là, il met en avance l'humilité de l'enfant, qui ne prétend pas à quelque chose de plus que son âge. Et il les a invités à considérer l'humilité d'un enfant comme un moyen, comme une attitude, une disposition de cœur qui nous ouvre l'accès au royaume de Dieu. Ça, c'était la toute première fois. Mais apparemment, ils n'ont pas bien compris le message. Et dans notre histoire, dans Marc et dans les équivalents, on se rend compte que cette fois-ci, on est quasiment à la fin. On est tout proche de Pâques. Et la discussion, elle revient sur le tapis. Qui est le plus grand? Et cette fois-ci, le Seigneur leur annonce ce texte que nous allons décrire ensemble. Alors peut-être ça nous surprend que les disciples soient aussi un peu enfantins, aussi humains. Mais en même temps, honnêtement, est-ce que ça nous surprend tant que cela? Est-ce que nous ne sommes pas ou n'avons pas été nous-mêmes aussi comme eux, à savoir? Je me rappelle, quand j'étais au collège, toutes les pauses, récré, pause du midi, la seule activité, c'était de jouer au foot dans la cour. Mais je me rappelle d'une période où parfois, on perdait sur le temps de récré, qui durait 15 minutes à l'époque, quasiment 10 minutes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'une fois les équipes composées, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur qui allait être le capitaine de chaque équipe. On allait juste jouer pendant 15 minutes, ce n'était pas la finale de la Coupe du Monde ni de la Ligue des Champions, mais on perdait sur nos temps de récré 10 minutes à se mettre d'accord qui est le capitaine. Alors, mesdames, vous allez dire que c'est juste les garçons. Alors, je n'ai pas d'anecdote pour vous, mais si je me rappelle bien les filles de mon âge, c'était qui est la plus belle, qui a la plus belle robe ou la plus belle coupe de cheveux. Et puis après, vous vous rendez compte qu'on peut multiplier ces questions-là. Qui est le meilleur dans telle matière ? Qui est le plus beau, qui a le plus d'amis. Et puis le problème, c'est que ce genre de questions, ça nous accompagne une fois dans la vie adulte, hein, n'est-ce pas? Dans le monde du travail. Qui décide? Qui est le patron? Ou qui est l'ami du patron? Qui obtient une promotion? Qui a le meilleur salaire? Et puis après, c'est dans le voisinage. Qui a la plus belle voiture, la plus belle maison? Si on était dans le sud, qui a la plus grande piscine? Etc, etc. On est toujours en train d'essayer de se classer quelque part dans une hiérarchie. Et dans l'Église, on va y revenir. Et voici comment Jésus va répondre à toute cette question. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Littéralement, c'est vous ne savez pas de quoi vous parlez en fait. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pourtant, c'est hyper concret. On veut juste être à ta droite et à ta gauche. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire par rapport à cela? C'est qu'en fait, ils n'ont pas et ils ne réalisent pas qu'en fait, cette question de savoir qui est le plus grand, de savoir qui est assis à droite, à gauche, n'a aucun sens par rapport au message que Jésus est en train d'apporter. Que cette question de savoir qui est le plus, qui est la plus, est hors sujet si on comprend vraiment l'Évangile. Et en fait, Jésus est en train de leur dire indirectement, vous ne savez pas en fait quelle est réellement ma mission, vous ne comprenez pas quel est le chemin que je suis en train de prendre, ce qui va m'arriver, et pourtant je vous en ai parlé à plusieurs reprises, le fait que je vais être arrêté, que je vais être maltraité et que je vais être crucifié. Est-ce qu'à tout hasard, Jacques et Jean, vous voudriez être crucifiés à ma droite et à ma gauche? Parce que c'est le seul trône sur terre qui va m'être accordé.
Et ils ne comprennent pas. Alors le Seigneur est vraiment une fois plus plein de bienveillance, parce que bien qu'ils ne comprennent pas, quand il leur dit « Est-ce que vous pouvez boire ma coupe aussitôt ?»« Ben oui, nous pouvons, il n'y a pas de souci. » Et Jésus va quelque part leur révéler qu'en effet, une fois leur retour, parce que lorsqu'il vraiment il va être arrêté, là ils vont fuir, là ils vont partir, là ils vont se cacher. Tout d'un coup, être à droite et à gauche de Jésus ne les intéresse plus beaucoup. Mais plus tard, l'histoire nous dit qu'en effet, ils vont boire la coupe. Et ils vont tous les deux finir martyrs. Jacques sera tué par Hérode dans Acte 12. Et Jean, on sait qu'il finira prisonnier pour sa foi sur l'île de Patmos, exilé. Donc ils vont boire cette coupe. Mais en tout cas, le Seigneur leur révèle le fait que cette question-là révèle qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Mais le Seigneur nuance en même temps, puisqu'il va en même temps leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose que par contre ils savent. Regardez au verset 42. Cette fois-ci, il leur dit, ça vous le savez par contre. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs, les puissants, les autorités, les hommes politiques ou les chefs en tout genre. Ça, vous le savez. Et nous le savons aussi, n'est-ce pas? Si nous connaissons un minimum l'histoire, nous savons tous ce qui se passe lorsqu'on est au plus haut. La soif du pouvoir qui rend prêt à tous les coups. L'autorité tyrannique que certains chefs dans le passé et aujourd'hui encore, pour ne citer que la Corée du Nord, mais je pourrais en citer bien plus, mais comme je sais qu'il n'y a pas de Nord-Coréens parmi nous, au moins je ne risque pas de vous offenser. Mais combien de puissants actuels encore continuent à faire peser leur autorité, tous les abus de pouvoir, une fois que l'on est assis sur le siège le plus haut du pays. Combien dans l'histoire, sur tous les continents, et je pourrais en citer pour tous les continents, il y en aurait pour tous les goûts, d'hommes du peuple, issus de la base, et quand ils sont peu à peu montés et qu'ils se sont retrouvés là-haut, sont devenus des despotes, des tyrans, ont complètement oublié d'où ils venaient, et tout d'un coup, le fait d'être maintenant au plus haut, sont devenus parfois même d'une cruauté sans nom. On en a tous plein nos pages de livres d'histoire. Et il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme quand on se prend pour le plus grand. Vous le savez. Oh, plus simple peut-être et plus accessible, c'est peut-être le goût des privilèges, dès qu'on a un peu d'autorité. Les privilèges, ou alors les titres. Monsieur le président, monsieur le directeur, monsieur le ministre, monsieur ceci. Mais maintenant, regardez bien, parce que ça va être important. Remarquez que Jésus leur dit, vous le savez. Mais il ne leur dit pas, renversez-moi tous ces gens. Faites la révolution, zigouillez-les, décapitez-les. À aucun moment, Jésus, lorsqu'il parle de cette réalité-là, il ne les encourage à une forme de rébellion ou même à les critiquer ou à contester sans cesse. Ce n'est pas du tout ce que Jésus dit. Mais il dit, ça, vous le savez. Vous savez que ça se passe comme ça. Et à ce moment-là, les disciples ont dit, bah ouais, on voit bien avec Hérode, on voit bien avec Pilate, on voit bien avec ces empereurs romains qui nous prennent pour de la chair à canon. Vous savez. Et je pense que vous et moi, nous savons aussi ce qui se passe. Alors c'est quoi l'enseignement? Et voilà comment Jésus va enchaîner. Je l'ai mis volontairement en gras parce que je vais insister sur ce message. Après avoir dit, vous savez comment ça se passe ailleurs. Vous savez comment ça se passe dans les nations. Vous savez comment ça se passe dans le monde de l'entreprise. Vous savez comment ça se passe dans n'importe quel corps de métier. Vous le savez et donc, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Dans la communauté que je suis en train de bâtir, dans mon royaume à moi, Jésus, il ne doit pas en être ainsi. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, les modèles de leadership à l'extérieur n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de bâtir. Et au cas où ce n'est pas suffisamment clair, Matthieu et Luc disent la même chose. Si qu'elle n'en soit pas assez parmi vous, au contraire, il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, si ce n'est pas suffisant, regardez Jean, il ne raconte pas la même situation. Il fait mieux encore, il nous raconte Jésus qui lave les pieds de ses disciples et qui leur dit quoi ? Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous vous preniez pour des papes, vous agissiez comme moi, comme j'ai agi envers vous. Et si ce n'est pas suffisant, le problème, il n'est pas chez Paul. Parce que Paul, dans ses lettres, voici ce qu'il dit. Agissez comme moi,
Donc, imitez-moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, aucun privilège. Mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Pourquoi, en fait, j'agis ainsi? Parce qu'en fait, je suis en train de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Mes amis, cet enseignement-là, il est omniprésent dans tout le Nouveau Testament. Et malgré ça, il y a des multitudes d'églises et de pasteurs qui ne le voient pas, qui refusent de le voir. Nous devons prendre cet enseignement sur l'esprit du serviteur extrêmement au sérieux. Nous ne devons pas laisser nos modèles de leadership et tous leurs travers influencer ou servir d'exemple à ce qui se passe dans l'Église. Aucune place dans l'Église pour l'abus d'autorité, pour l'absence de redevabilité, pour des privilèges exagérés, pour une passion pour des titres élogieux. Ça n'a pas sa place. C'est dans le Nouveau Testament et bien plus présent que certaines autres théories dont on aime se gaver sur Internet. C'est là. Ça veut dire que ça nous concerne et ça veut dire que moi, le premier en tant que pasteur, ça me concerne. Et Jésus nous dit, au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, au sein de l'Église, eh bien voici la piste à suivre. Qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un a envie d'être le premier, ok. Qu'il se fasse, qu'il soit l'esclave de tous. Je voudrais juste soulever trois grands principes pour nous en tant qu'Église de Ponto dans ce que nous voulons vivre par rapport à ce passage. La toute première chose, c'est que l'Église est un peuple de serviteurs et de servantes. Quand je parle de l'Église, vous le savez, je ne parle pas du bâtiment, on n'en a rien à faire. On parle de nous là, on parle du peuple que nous essayons d'être. L'Église, vraiment, doit être imprégnée. La famille que nous formons doit être imprégnée d'une atmosphère de service mutuel. Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas ceux qui servent et ceux qui seraient servis. Ça, c'est ce qui se passe dans les nations. Chacun a sa place, chacun son rôle. Mais au sein de l'Église, nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous appelés à exercer les dons que nous recevons comme un acte de service. Alors, et je veux être très précis pour ça, parce que du coup, quid des pasteurs? Qu'est-ce qu'un pasteur dans tout cela? Et c'est extrêmement important que vous ayez une juste perception du rôle que des pasteurs ou des responsables dans l'Église ont et n'ont pas. Un pasteur est une personne qui a reçu un don spirituel ou des dons pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher l'Évangile et pour prendre soin de ses frères et sœurs. C'est aussi un don. Et c'est la communauté qui reconnaît ce don et qui met éventuellement à part, selon ses capacités, cette personne-là pour servir avec un cœur de servante. Ça résout donc tout le problème des pasteurs autoproclamés. Ça n'existe pas. Un pasteur, ce don, il est reconnu. Si quelqu'un se met à chanter et n'a pas le don de chant et il chante faux, on va tous reconnaître, écoute, tu es bien gentil, mais a priori, tu n'as pas le don. Hein. C'est ce qui m'arriverait si je demandais à Alex, Alex, je peux rejoindre l'équipe Louange et qu'on me met le micro et que le sonorisateur met, qui a identifié le don de Manu pour chanter là? Il y aura eu un problème sérieux à l'audition. Il en est de même du Seigneur. Mais je ne peux pas m'auto-proclamer chantre. La communauté a un grand rôle. Et regardez comment l'apôtre Pierre, qui a bien compris l'enseignement de Jésus, en parle dans une de ses lettres. J'adresse quelques recommandations à ceux qui parmi vous sont responsables, pasteurs et tous les types de responsables. Prenez soin du troupeau de Dieu, le côté berger, qui vous a été confié. Vous comprenez? Vous nous êtes confié. Vous ne m'appartenez pas. Vous êtes le troupeau du Seigneur Jésus. Mais vous êtes confié à une équipe, à des hommes et des femmes, des responsables, et nous devons prendre soin de vous. Regardez la suite. Non pas pour de honteuses raisons financières. Il n'est pas en train de dire qu'un pasteur n'a pas le droit d'être rémunéré. Mais sa motivation, si c'est le gain, si c'est un jet privé, si c'est une limousine, si c'est un service du garde du corps, il est à côté de la plaque. Et pourtant, plusieurs d'entre vous, vous regardez des pasteurs comme ça à la télé et sur YouTube. Expliquez-moi quelle est la ressemblance avec Jésus-Christ. Expliquez-moi. Sur la base de quel texte dans le Nouveau Testament ces personnes qui vivent dans un tel luxe justifient leur niveau de vie?
réfléchissez, mes amis. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Vous voulez quoi de plus simple? Vous avez un premier critère pour évaluer les personnes. Le jour où vous me voyez arriver en Porsche, posez-vous une question. Mais qu'est-ce qu'il fait de nos offrandes, ce gars? Mais je l'ai dit en rigolant, mais il y a des pasteurs qui remplissent des stades et qui viennent comme ça, et tout le monde donne la dîme. Je me demande sur quel passage du Nouveau Testament ils arrivent à se dire, c'est quand même bizarre, sa Rolex, sa voiture, son jet, ses gardes du corps. Jésus n'avait même pas un lieu où poser sa tête. Mes amis, il faut lire la Bible. Un chouïa quand même. Nous sommes des serviteurs. Et il continue, n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont confié. Ça ne veut pas dire que la seule autorité qu'a un pasteur, c'est celle de transmettre ce qui est écrit là. Et les pasteurs, l'équipe pastorale, que vous sachiez très bien comment on est organisé, nous sommes redevables aux anciens. C'est-à-dire que, par exemple, si ce que je dis ce matin n'est pas biblique, dans la semaine, les anciens vont dire, Manu, on peut se voir. Écoute, ce que tu as dit dimanche, ce n'est pas très biblique, en fait. C'est leur rôle. Et puis, ce n'est pas que leur rôle. Si vous sentez que ce que je dis n'est pas biblique, vous devez venir. Vous ne pouvez pas dire, non, c'est Manu, il est sur l'estrade, on ne peut rien lui dire. Non, vous devez. Vous protégerez ainsi mon propre ministère, vous vous protégerez vous-même et vous protégerez la bonne santé de l'Église. Vous devez. Pas de pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés. Au contraire, soyez les modèles du troupeau. Un modèle, ça veut dire que ce que je fais ou ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie chrétienne doit être digne d'être connu pour que vous puissiez suivre le chemin. Si je me mets à vivre dans le luxe ou je ne sais quoi, je cesse d'être un modèle. Comment je vais aller voir et visiter des frères et sœurs qui ont du mal à joindre les deux bouts et leur dire, non, mais imite-moi. Tout mon témoignage sera décrédibilisé. Mes amis, c'est des choses très, très sérieuses ce qu'on est en train de dire. Mais c'est pour nous tous, tout cet enseignement d'être serviteurs. L'Église est un peuple de serviteurs et de servantes. Et chacun est exercé. Regardez ce texte. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns les autres. Donc les pasteurs sont concernés par cela, comme tout le monde. Même s'ils sont mis à part d'un point de vue d'un ministère d'enseignement, ils sont concernés par la même attitude de serviteur. Et tous ensemble, vous et moi, nous sommes appelés à nous mettre au service les uns les autres. Et une des choses qui me réjouit le plus, c'est chaque dimanche matin, lorsque je vois la quantité de frères et sœurs qui viennent bien plus tôt que vous, parce qu'en fait, ils vont vous servir. Ce matin, une équipe vous a servi quand vous êtes arrivé par la sécurité, en vous aidant à placer. Est-ce que vous les traitez avec respect? Est-ce que vous écoutez leurs consignes? Vous savez, on a une grosse pression en ce moment, j'ouvre une parenthèse, parce qu'au niveau du stationnement, il y a eu des couacs pour lesquels on n'est pas 100% responsable. C'était différents facteurs avec des grands cultes. Mais ça veut dire qu'on a un rôle de témoignage très important. Et donc, je vous demande vraiment sincèrement, je ne fais pas preuve d'autorité, rassurez-vous, ce n'est pas un abus d'autorité, mais je vous demande de respecter vraiment les consignes des frères et sœurs qui font l'équipe sécurité. Si on vous dit de vous garer là, c'est pas une option. Faites-le, s'il vous plaît. On sait que c'est serré, mais quand on se gare devant un garage et que la voiture ne puisse pas sortir, ça ne ferait plaisir à aucun d'entre nous. C'est juste du bon sens. Donc je sais que vous êtes OK avec ça, donc du coup, je vous encourage vraiment à respecter. Et après, quand on est arrivé, c'était l'équipe d'accueil, l'équipe café, c'est les frères et sœurs qui sont en train de servir vos enfants. Etc. L'Église, c'est un peuple qui se sert mutuellement. Faisons-le par amour les uns envers les autres. Si nous comprenons cela, cela veut dire que quand il y a un événement, quand il y a un repas, comme on va voir tout à l'heure, il n'y a pas ceux qui servent et ceux qui sont servis. Tous ensemble, on met les chaises, tous ensemble, on met les tables, tous ensemble, on met la table, les couverts, etc. Et on participe, c'est ça. La cafette, ce n'est pas le restaurant. Si je vais au restaurant, j'attends en effet que je puisse m'asseoir et puis tout le reste. Mais je vais payer pour ça. Ça, c'est ce qui se passe. Nous sommes dans l'Église. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Parmi vous, c'est l'esprit de service, mes amis. Encourageons-nous à ça. Deuxième idée forte, c'est que je sers, et elle est importante, je sers avec joie car je sais qui je suis. Et ça, c'est un élément très important. Parce qu'une des choses que j'ai réalisées par rapport au fait de servir, c'est qu'il m'est très difficile de servir avec joie si je doute moi-même de ce que je suis en Christ.
Si intérieurement je me dis, non, non, si je me mets en position de serviteur, ils vont en profiter. Ils vont me prendre pour leur larbin, ou un paillasson, ou je ne sais quoi. Et personne n'a envie. Donc souvent, quelque part, ce qui me bloque à servir, c'est le fait que quelque part, on puisse en profiter. En plus, nous vivons dans une société qui nous dit, ne laisse personne te marcher sur les pieds. Et donc, même nous, chrétiens, nous pensons comme ça, et à la moindre situation où on a l'impression un peu qu'on empiète sur notre quand même dignité, etc., on réagit au quart de tour. Alors, ça veut dire quoi, servir? Est-ce que c'est en nous encourager les uns les autres à devenir juste des paillassons? Ce n'est pas cela du tout. Même s'il y a une dimension de humilité, et la meilleure personne pour nous aider à comprendre, c'est notre Seigneur Jésus. Regardez juste avant de laver les pieds, le petit détail qu'il est dit. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Donc Jésus est parfaitement conscient de son identité de fils de Dieu et du fait que dans quelques temps, il va regagner sa place qu'il a quittée. Il sait cela parfaitement. Et aussitôt après nous donner ce petit détail, qu'est-ce que fait Jésus? Il se leva de table, posa son vêtement, prit une serviette, du lin, une bassine d'eau et commença à laver les pieds des disciples. Quand Jésus s'est mis à genoux et a commencé à prendre les pieds de Pierre, il ne s'est pas dit, franchement, ils me prennent pour n'importe qui, sans encore moi la bobonne, etc. Et tout. Non. En fait, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la force. C'était vraiment de la force, parce que quand Jésus a fait ça, il sait qui il est. Et même si Pierre ne comprend rien, que Pierre se braque, parce que justement, Pierre, son identité, elle est dans le, lui, il voudrait être sur le trône. Donc lui, il panique à l'idée que son maître puisse servir. Non, non, là, t'es en train de renverser, c'est quoi cette révolution? Pierre, tu ne comprends pas. Laisse-moi faire cela. Dans un autre texte, Philippiens 2, où on a tout ce chant sur l'abaissement de Jésus. Lui qui était de condition divine, il sait qui il est, l'égal du Père. Il ne chercha pas à profiter de cette égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Ce qui va me permettre d'avoir un cœur de serviteur, c'est de savoir qu'en fait, personne ne peut m'abaisser ou m'élever. Parce que mon identité, elle est en Christ. Et en Christ, je sais que je suis créé par lui, pardonné par son sang de tous mes péchés et adopté dans sa famille comme son fils ou comme sa fille. Ça, c'est mon identité. Et une personne peut m'abaisser, me traiter pour un larbin ou peut mentionner, me dire « t'es le meilleur », ça va me glisser dessus. Parce que mon identité, je l'appuie dans ce que Christ dit de moi. Pas dans ce que les autres pensent de moi, pas dans ce que les autres disent de moi. Et ça, mes amis, c'est valable pour chacun d'entre nous. L'un des meilleurs tests pour le service, c'est est-ce que tu le fais avec joie? C'est le meilleur test. Si je commence à servir un peu en grinchant les dents, c'est que quelque part, j'ai un peu l'impression que non, ce n'est pas moi qui devrais faire ça. Ou si en fait je le sers avec un peu de l'orgueil, c'est peut-être que là on m'a mis sur une responsabilité et que c'est en train de me monter à la tête. Mais si je sers avec joie, je suis heureux de le faire pour mes frères et sœurs, quel que soit ce type de service, c'est probablement un signe qu'en effet, quelque part, je suis en train de le faire pour le Seigneur et je ne sens pas comme si j'étais voilà, un paillasson ou je ne sais quoi. Oh mes amis, vraiment, réjouissons-nous. Servir est une force. Vraiment, et le Seigneur nous a montré la voie pour cela. Nous pouvons exercer notre don, mais gardons-nous de cet esprit de star dans le monde. Sincèrement, ça a quand même beaucoup trop. Il faut être honnête, mes amis. Et notamment maintenant avec le fait que les cultes sont filmés, il faut avouer que quand même qu'il y a certains, ça leur est monté à la tête. Faisons attention. Je ne dis pas qu'on ne doit pas utiliser les médias. Mais soyons vigilants et ayons des manières qui nous assurent que c'est toujours un esprit de serviteur qui anime ces ministères, qu'ils soient dans l'enseignement, dans la prédication, dans l'évangélisation ou dans la louange. Veillons à ce que le cœur soit en adéquation avec le message. Parce que nos amis du monde non chrétien, ils voient cela. Et il y a vraiment des fois, quand ils regardent nos cultes, ils se demandent si ce n'est pas plutôt Hollywood que l'esprit de Jésus. Nous avons une responsabilité à être vigilants, en tout cas, par rapport à cela. Troisième et dernier point, c'est que nul ne peut suivre Jésus sur le chemin. Sur le chemin du service, il nous faut suivre Jésus. C'est ce qu'il dit. Le Fils de l'homme, ce que Jésus nous demande, il est toujours passé par ce chemin-là avant.
Ça, c'est une des choses les plus rassurantes et les plus encourageantes de la vie chrétienne, c'est que jamais notre Seigneur ne nous demande quelque chose qu'il n'aurait pas déjà vécu lui-même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus, vous le voyez dans les évangiles, durant sa première venue, à aucun moment il n'a profité de son statut. Imaginez le nombre de situations où Jésus quand même aurait pu dire à un moment donné à la personne, tu sais qui je suis ? Franchement, j'aurais trop aimé dans certaines situations. Imaginez au moment de la crucifixion, les Romains arrivent, tu sais qui je suis ? Non mais ça aurait envoyé, ça aurait fait une réplique de cinéma, franchement, extra quand même. Sauf que notre Seigneur n'a jamais fait cela. Pas parce qu'il ne savait pas qui il était, mais il n'en a jamais profité. Il n'a accompli aucun miracle pour son bénéfice personnel. Pas un seul. Même le moment où il marche sur l'eau, ce n'est pas pour gagner du temps dans la traversée du lac, c'est plutôt pour enseigner quelque chose à ses disciples. Mais Jésus n'a jamais commis le moindre abus de pouvoir. Et il nous ouvre le chemin. Et j'avoue, moi c'est une des choses qui à la fois m'interpelle, m'émerveille, m'attire et en même temps m'effraie de notre Seigneur. C'est cette humilité inimitable. Il sait qui il est. Mais il y a une bonne nouvelle avec ce verset. C'est que regardez, c'est que non seulement il n'est pas venu pour servir, il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, mais il nous dit qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors dès qu'on pense au mot rançon, on pense prise d'otage et donc il faut payer une somme d'argent. Ce n'est pas le sens qui est avec ce mot-là. Le mot rançon, ça évoque la notion de libération. Là, en effet, quelque chose qu'il faut payer pour libérer. Mais ce n'est pas forcément en disant à qui elle est payée, cette rançon-là. Mais c'est le fait que nous avons besoin, vous et moi, d'être libérés. Et de quoi, en fait, on a besoin d'être libérés ? Ben, parmi tous nos péchés, l'un d'entre eux, c'est le fait que, justement, au fond de nous, il y a ce désir de plutôt être servi que de servir. Il y a, au fond de nous, à cause de ce trouble, quelque part, d'identité où on n'est pas trop sûr, il y a plutôt l'envie d'être celui qui donne les ordres que de celui qui les exécute, etc., etc. Et quelque part, cette prison, dans un certain sens, de cet égocentrisme, de cet orgueil, de cette ambition, nous avons besoin d'en être libérés. Tous, vous et moi. Et Jésus a justement donné sa vie en rançon pour cela. Il a justement donné sa vie. Lui, on l'a chanté ce matin magnifiquement. Lui, le roi des rois. Celui devant qui tous les puissants, y compris ceux vraiment qui ont été des véritables tyrans, plieront un jour le genou devant lui, est venu sans jamais profiter, abuser de cette autorité pourtant qui était la sienne. Et il l'a manifesté dans ses miracles, plein de fois. On parlait cette semaine avec plusieurs de nos voisins non chrétiens, s'ils connaissaient des miracles de Jésus, et on était encouragés de voir qu'ils en connaissaient quand même quelques-uns, et on connaît ces différents actes qui montrent bien que Jésus avait une puissance et une autorité parce que nos grands tyrans ne sont pas connus pour leurs miracles. Le pouvoir, ils l'ont obtenu et en général, derrière eux, ils ont une bonne armée pour le maintenir. Mais ce n'est pas un pouvoir de servir. Et nous avons un tel roi. Et donc, c'est vraiment ma prière, mes amis, que nous puissions cultiver tous ensemble cet esprit de service, cet esprit de se bénir mutuellement, parce qu'en fait, en Jésus-Christ, servir devient un synonyme de aimer. En Jésus-Christ, servir devient un synonyme de bénir et de se bénir mutuellement. Et donc, quel que puisse être ton don, exerce-le. Mais non pas pour être vu, mais exerce-le pour bénir tes frères et sœurs. Pour imiter et suivre ton Seigneur en se disant, Seigneur, c'est pour toi. Et ça me réjouit de servir. Je veux vraiment nous y encourager tous, mes amis. Le Seigneur l'a dit, si quelqu'un veut être grand, que premièrement, il puisse avoir un cœur de serviteur. C'est à contre-courant de notre société, mais le Seigneur l'a dit, qu'il n'en soit pas parmi vous, comme dans la société. Donc, c'est à nous de jouer. Et on y est ensemble, et le Seigneur va nous y guider. Seigneur, notre Dieu, je te remercie pour le fait que rien
de ce que tu demandes dans la vie chrétienne ne serait à accomplir par nos propres forces. Non seulement tu nous as donné un modèle incroyable, mais tu as aussi ouvert ce chemin qui le rend possible, Seigneur. Et c'est ma prière, Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous aider à être délivrés de toute mauvaise ambition, de toute mauvaise motivation, de toute insécurité, Seigneur, dans notre identité. Et que, au contraire, les yeux fixés sur toi et sûrs de ton amour, sûrs de ta grâce, Seigneur, nous puissions cultiver cette joie, Seigneur, de prendre soin ensemble les uns les autres avec les dons que tu nous donnes, de nous servir les uns les autres avec les dons que tu donnes, qu'il y ait une véritable joie à le faire, Seigneur, et que nous puissions avoir cette joie de le faire aussi envers ceux qui nous entourent, Seigneur, qui ne connaissent que les modèles du monde, Seigneur, des puissants, des dirigeants, des patrons ou des directeurs, Seigneur, et qui ont peut-être été blessés par cela. Nous te prions que dans ton Église et dans l'exemple que nous essayons de donner, ils puissent, Seigneur, découvrir qu'avec toi, un autre chemin, un autre fonctionnement est possible, Seigneur. Donne-nous vraiment cette grâce, Seigneur Jésus, de te suivre sur ce chemin. Garde-nous et je te prie pour nous tous qui peut-être avons des responsabilités dans l'Église, pasteur ou autre, Seigneur, que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de garder les yeux fixés sur toi, de rester fidèles. Garde-nous de pécher, garde-nous, Seigneur, de blesser, Seigneur, par une parole, un abus de pouvoir ou je ne sais quelle autre chose, Seigneur, qui pourrait sortir de nos actes, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, afin que rien, Seigneur, ne puisse entacher ton évangile, Seigneur. Oh, Seigneur, oui. Merci pour ce temps et je te prie, Seigneur, prends cette place du roi dans ton Église, dans nos vies personnelles, Seigneur, et que tous nos yeux soient tournés vers toi et vers toi seul. Tu es le roi des rois et tu es notre roi. Amen. Amen, merci Manu. Et on vient de découvrir une autre facette de notre roi. Il est un roi serviteur. Et je vous invite à vous lever pour prendre ce chant qui nous dit... Dieu Tout-Puissant, Roi Serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi Serviteur. Tu es venu jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi Serviteur, tu nous appelles ça te suit et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Tu dis adieu dans
entonnant ensemble comme une prière. Apprenons donc à servir. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ. Amen. Qu'on puisse vivre ce que nous avons chanté et de façon très concrète dans notre vie de tous les jours. Et je crois qu'il n'y aura jamais autant de personnes ce dimanche qui vont servir les autres à la cafette parce qu'il y a le repas entre amis. Dans le hall convivial, on met plein de tables et chacun apporte quelque chose à manger. Chacun se sert les uns les autres. Chacun amène des choses et se met au service des autres. Et aussi pour passer un temps convivial avec un bon repas et aussi apprendre à se connaître, à discuter, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Donc vous êtes cordialement invités à venir en amenant quelque chose à partager. Si vous n'avez rien amené, vous pouvez acheter des gâteaux parce qu'il y aura une vente de gâteaux spéciale pour soutenir le camp des teens. Vous verrez en sortant, il y a des bonnes odeurs de gâteaux avec une grande table et des personnes derrière. Donc vous pouvez acheter des choses et les prendre pour chez vous ou les manger de suite, ça c'est vous qui voyez. Mais tout l'argent servira à soutenir justement le camp des teens et à financer certaines personnes qui ne pourraient pas venir ou pour qui les finances seraient un obstacle. Donc n'hésitez pas, il faut que la table soit vide après, donc faites-vous plaisir et prenez plein de bonnes choses. Autre information, c'est que on aimerait, vous avez remarqué souvent qu'il y a Patricia, des fois, notre chère responsable des langues des signes, qui fait des traductions pour langues des signes. Vous avez déjà vu ça? Et on s'est dit que ce serait super pour ceux qui aimeraient apprendre, avoir les premiers pas en tout cas pour mettre le pied à l'étrier pour la langue des signes, pour rendre accessible justement l'évangile et nos cultes, c'est une raison pour laquelle on fait ça, d'avoir une sensibilisation. Donc Patricia s'est proposée, pour ceux qui le voudraient, de vous inscrire pour peut-être une fois par mois, c'est Patricia qui va fixer les dates, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, les dimanches de 9h à 10h. Donc avant le culte, il faut vous réveiller juste une heure avant. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez vraiment apprendre et mettre le pied à l'étrier pour apprendre à signer, vous allez au l'espace bienvenue, il y aura Patricia qui se tiendra là et vous pouvez vous inscrire sur une liste et puis elle vous donnera toutes les informations relatives aux dates. Autre information, c'est que samedi prochain, il y aura une marche de prière qui sera organisée spécialement pour le Plessis, avec plein de sujets, notamment Pâques qui arrive, mais aussi la recherche de bâtiments que nous voulons. Donc le rendez-vous est donné à 10h à la mairie au Plessis-Trévise. Donc venez nombreux pour prier pour cette ville et que le Seigneur ouvre des portes pour trouver un nouveau bâtiment pour le site qui va démarrer à Pâques. Autre information qui concerne cette fois les jeunes adultes entre 20 et 30 ans avec l'événement qui arrive samedi prochain du Spot avec cette thématique « Un message pour toi ». L'objectif est d'inviter les amis pour découvrir justement le message de l'Évangile. Et voici une petite vidéo de présentation rapide. La Bible, c'est bien la première fois que je vois ça. J'aimerais trop lire la Bible moi aussi, mais vas-y, c'est dur à comprendre. Concentration, vraiment, tiens, ça fait un bail d'ailleurs que je suis pas allé à l'église, moi. Mais comment elle fait pour aller dans ce bruit-là? Non, ouais, c'est bien pour elle, hein. Je suis sûr qu'avec tout ça, elle va finir au paradis, accès VIP carrément.
Hey, mais c'est pas Jésus meurt à la fin, là? On lit encore la Bible en 2024? Non, mais ces chrétiens, ils veulent trop prouver. Les chrétiens lisent même dans une gare? Comment tu peux lire un livre sacré dans de telles conditions? Je me souviens quand mamie nous apprenait à faire la prière avant de dormir. Ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. Voilà, un message pour toi. On a des graines de réalisateurs, là, chez nos jeunes adultes. Donc, si vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes cordialement invités et invités à inviter. Vous avez compris pour qu'un nombre important de personnes découvrent ce message de l'Évangile. Et puis, notre grand week-end de Pâques arrive. Dans 2 semaines, ce sera déjà Pâques. Et oui, ce n'est pas seulement la chasse aux œufs qui s'annonce, malheureusement. Ce n'est pas seulement le bon barbecue qui vous attend peut-être le lundi férié. Mais c'est surtout notre première soirée le vendredi soir, à partir de 20h, où une équipe déjà se prépare, va commencer à répéter pour faire ce temps de vendredi saint. On veut se souvenir justement du sacrifice de Jésus-Christ. Donc venez nombreux, ça sera un temps précieux, on prendra ensemble le repas du Seigneur avec des temps de louange, des temps de prière, temps de partage aussi, lecture de la Bible. Donc c'est toujours un temps fort d'année en année. Et puis à Pâques, le dimanche matin, on aura sur 3 sites un culte particulier avec témoignages, avec des chants, avec une prédication sur l'Évangile évidemment. Et c'est aussi une grande occasion pour inviter, pour partager. Donc à Roissy-en-Brie, le culte sera à 11h, au Plessis-Trévise à 10h30 et à Ponto-Combo ici à 10h30 aussi. On a plein de flyers qu'on a imprimés justement pour vous permettre d'inviter vos amis. Donc ici, on a des flyers de Ponto et du Plessis. Donc l'équipe d'accueil qui est à la sortie, on les consigne de ne pas vous laisser partir sans au moins 10 flyers pour inviter 10 personnes. Sinon, pour le culte de Pâques, vous ne pourrez pas rentrer si vous avez perdu 10 invités minimum. Donc évidemment, on veut vous encourager à inviter parce que c'est un message que nous voulons transmettre et partager autour de nous. Et pour ce culte de Pâques, vous savez que c'est la culture de notre église, l'hospitalité. Après le culte, on va organiser un apéritif. J'ai mis déjeunatoire, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais vous avez compris, c'est plus que des cacahuètes et des chips. Mais on aimerait organiser une grande collation, Dieu voulant, s'il fait beau à l'extérieur, sinon dans notre hall convivial. Et on a besoin de vous pour préparer des choses. Donc si vous êtes un fin cordon bleu, allez vous inscrire auprès de Marie-Cécile à l'espace Bienvenue pour préparer peut-être une chose ou 10 choses ou ce que vous voulez, en tout cas, pour qu'on puisse accueillir bien nos invités le mieux possible ce jour-là à Pâques. Et puis, 2 dernières annonces, celle-là qui est un peu liée à ce que Manu a prêché tout à l'heure. Manu a parlé de mettre nos dons au service des autres. Et nous avons un module qu'on va faire le samedi 6 avril, qu'on appelle le module ministère. C'est un nom un peu barbare, on va dire. Mais c'est un module justement qui présente ce que nous dit la Bible à propos du service. Comment servir les uns les autres? Quels sont les dons qui existent? Quels sont les dons que le Seigneur, moi, m'a confiés? Est-ce que vous savez que chacune des personnes qui sont là, vous avez au moins un don? Vous avez au moins un don. Beaucoup de personnes viennent me voir et disent « Mais moi, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de don, etc. » Non, c'est faux. Tout le monde a au moins un don. Et à l'occasion de ce ministère, c'est l'occasion aussi de découvrir quel est notre don. Donc, si vous voulez participer à ce module ministère, justement, pour mettre en pratique ce que Manu a dit et découvrir toutes les équipes qu'il y a dans notre église et toutes les opportunités qu'il y a de servir, allez vous inscrire à l'espace Bienvenue pour cette rencontre, donc samedi 6 avril à 15h pour le module ministère que j'animerai donc moi-même. Et puis dernière information pour vous mesdames, spécialement, on l'annonce chaque année, il y a la rencontre du CCF, du Contact Chrétien Féminin, qui s'annonce du 18 au 20 avril en Bourgogne ou du 2 au 4 mai en Sologne. Il y a tout un groupe de femmes qui vont à ces rencontres-là où il n'y a que des femmes qui sont invitées, désolé messieurs, avec une oratrice en particulier. Et cette année, la thématique, c'est « Transformer
pour rayonner. Donc il y a des flyers qui sont à l'entrée. Si vous voulez plus d'informations, prenez des flyers. Et toutes les inscriptions, c'est sur le site internet qui est indiqué ou sur le flash code qui est là et aussi sur le flyer. Voilà les amis, on vous donne rendez-vous à la cafette pour ceux qui restent. Amenez des choses, des bonnes choses à manger et on vous souhaite un bon dimanche à tous et bon groupe de maison cette semaine.